Oh bordel. Moi, ne rigolez pas. C'est vraiment Danny Trejo. Tu dois être Horace. Juan m'a prévenu de ton arrivée. Les gens disent beaucoup de bien de toi. Par contre, on s'appelle tous les deux Danny. Alors pour éviter la confusion, je serai Trejo et toi Horace. Je suis ici parce que toutes les belles choses qui me sont arrivées sont directement dues au fait que j'ai aidé quelqu'un. Je voulais donner mes Trejos tacos aux nécessiteux, mais l'armée m'a sorti un mandat de perquisition. Ces connards ont foutu un de ces bordels. Alors j'en ai poignardé un dans le cou 9 fois, puis un autre 4 fois et demi, puis encore un autre. Maintenant, il faut que je retrouve mes ingrédients avant qu'ils se repointent. Mais j'ai trop de boulot pour quitter ma cuisine. Donc si t'arrives à retrouver mes ananas, ma viande et ma sauce salsa, on pourra faire des tacos et prendre notre vengeance. Merci, je n'oublierai pas. Et souviens-toi, ananas, viande et sauce salsa, c'est la plus mortelle des combinaisons pour un taco. Hey, c'est Trejo. Je voulais que tu saches que je suis un vrai fan. Juan m'a tout dit sur toi et Libertad. T'envoies du lourd. Gracias. Moi aussi, j'adore ce que tu fais. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai vu Heat, et Desperado, et Machete. Merci, mais ça reste des films. Toi, tu te bats en plein cœur d'une révolution. C'est une question de vie ou de mort, là. Eh, comment tu connais Juan, d'ailleurs? Tout le monde connaît Juan. Je l'ai rencontré à San Quentin un jour. Les stupes l'avaient chopé pour possession de drogue. Il est où, cet enfoiré? Il me doit encore du fric. Je comprends mieux pourquoi il voulait pas venir. Qu'est? Non, rien. Mon téléphone déconne. Je te rappelle. Je l'ai trouvé. Et elle est même pas avariée. La sauce salsa signée Trejo. Ils sont toujours frais. Génial. J'ai trouvé tous les ingrédients pour les tacos, Trejo. Génial. T'assures comme une bête, Horace. Allez, rejoins-moi en cuisine. Donne-moi ces délicieux ingrédients, que je puisse enfin cuisiner. La coriandre, on l'aime ou on la déteste. Merci de m'avoir aidé à dénicher les ingrédients. Tu m'as rendu un fier service. Ça, je l'oublierai pas. Pas de soucis, mec. T'as tout ce qu'il te faut maintenant? Ouais. Il me reste plus qu'à tout préparer. Les donner au ventre affamé et ajouter cette recette à mon livre de cuisine. J'en salive d'avance. J'ai hâte. C'est l'heure de la cuisine. Le mardi, c'est tacos. Je crois bien qu'on est vendredi. Goûte à mes tacos et tu verras que chaque jour est un mardi tacos. J'adore la bouffe. Sans le sport, je pèserais 200 kilos. Attention, ici le ministère de l'Alimentation, du Commerce, de la Distribution et des Armes.
Oh non, pas encore ce connard! Depuis qu'il a goûté mes tacos, il veut plus me lâcher! J'envoie mes troupes fermer ton commerce illégal et saisir tous tes délices de tacos! Rends-toi, c'est ta meilleure chance de survie! Je peux pas m'arrêter là! Je dois rester concentré! Retiens-les pendant que je cuisine! C'est pigé, Tréhaut! J'ai un peu de temps. Je devrais peut-être préparer quelques surprises à ces ordures. Mais la perfection, ça demande du temps. Pas de sang dans mes tacos. Ça marche. Merde. Comment t'as survécu à tout ça? Il me faut ces incroyables tacos pour des raisons officielles d'import-export. Ça manque de sel, tout ça. Façon très beau. Putain, c'est super beau. Dans mes tacos, Horace. C'est un art délicat qui demande patience et dévouement. C'est clair. Ces divins tacos seront mieux. Oh oui, ils seront mieux. Ça
permet au jus de bien se mélanger et ça concentre les saveurs. Logique! Et voilà! Attends! On branche d'abord! Je déteste les cuisines en bordel! Bon, je suis prêt! Prenez tous en frais! Maintenant, on ferait mieux de distribuer ces tacos. Merde, fait chaud ici. J'ai bien envie d'une... Merci d'avoir aidé les affamés, Roras. Prends les clés de ma moto, elle est dans le garage. Tu me donnes ta moto? Ah, gracias. Non, merci à toi, Roras. Hey, je ne te dis pas bonne chance parce que moi, je crois au karma. Le bien engendre le bien et le mal engendre le mal. Et on a fait beaucoup de bien aujourd'hui, Trero. J'ai ton numéro, je te tiens au jus. Ouf, ça m'a fait ma session de sport du jour. Pinga, regardez-moi cet engin. Il y a même une mitrailleuse intégrée.